Je suis Mireille Jucide, ancienne danseuse, professeure de danse, ancienne danseuse contemporaine, professeure de danse, gymnastique, coach sportive à domicile et en entreprise. C'est mon deuxième tuto depuis ce confinement et le deuxième de ma vie. Donc aujourd'hui, on va utiliser du matériel, un ballon pilates, des élastiques, des poids et des sangles. On va voir. J'ai mis, comme quand on fait la cuisine, plusieurs ingrédients et on verra ce qui se passe. On va s'attaquer à la sangle abdominale, aux jambes et aux fessiers. Et peut-être aussi les muscles du dos. On va faire un cours assez court, suivi d'une demi-heure. Je vais vous demander, si vous voulez, de multiplier les fois d'exercice, hein, les sessions. Moi, je vais faire peu de sessions. Et vous pouvez les répéter plusieurs fois. Ok, donc on va commencer allongé. Hop. Donc on va mettre les deux pieds flex, les deux jambes bien allongées. Et étirer les doigts très très loin de soi, étirer en fermant les yeux. Toute la structure et toute la surface du corps et toute la longueur du corps, comme si on était une espèce de ressort qu'on voulait étirer au maximum. Max, max, max. On va descendre les bras. On va ramener genou droit, genou gauche. Et ramener les mains derrière le creux des genoux. Tu vas relâcher tes épaules. Et sur l'expiration, enrouler les genoux et enrouler la tête. Et puis tu redéposes. Encore une fois, on expire. J'enroule mes genoux. J'enroule ma tête comme si je voulais me transformer en petit œuf. On fait ça 4 fois, histoire de bien préparer les muscles du dos. On ne se lance jamais dans un travail à froid, sinon on risque de se faire mal. Et puis tu déposes bas du corps, haut du corps, tu glisses tes jambes loin de toi, les pieds flex. À nouveau, tu reprends cet étirement qui fait du bien. Tu vas imaginer que quelqu'un t'attrape les chevilles, te tire les chevilles loin de toi, t'attrape les poignets, t'étire et tu relâches. Et puis tu ramènes pied droit. Pied gauche, proche du bassin, tu soulèves les fesses, tu vas les poser un peu plus proche de tes talons, tu récupères la tête dans les mains, tu expires, tu allonges ta tête, tu la poses plus loin, ton cou plus loin de toi. Ok, et puis juste on va commencer à bien chauffer son bas du dos, l'articulation de ses vertèbres, bras le long du corps, bras à la seconde, au choix. Et juste tu fais un petit roulis comme ça sur ton sacrum, très souple et tu vois l'incidence qu'il y a dans ta colonne vertébrale. Et puis tu commences à soulever un petit peu plus les vertèbres et tu redéposes jusqu'à à nouveau basculer en arrière. Et on va monter et hop et on redépose. Et encore et on monte un peu plus haut, on expire, on redépose comme une vague qui se retire. Et encore une fois. On va jusqu'en haut de notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale rentre dans la tête. On expire comme si quelqu'un nous tirait les espaces entre nos vertèbres. On va chercher un peu plus proche de nos talons. Ouvrez les bras. Et encore une fois, repositionnez bien vos épaules. Et puis tu montes et puis tu vas rester. Tu vas imaginer que tes jambes partent de tes épaules. Hop, elles traversent ta cage thoracique. Elles longent les fémurs. Et l'énergie sort par la rotule. Le centre du genou. On va imaginer aussi que j'ai mis un petit une petite pince ici, un petit hameçon, et hop, je monte mon pubis. Je ne cambre pas. Et puis je vais rester comme ça, en activant bien mes cuisses, l'arrière de mes cuisses et mes fessiers. Je resserre le haut de l'étagère. Hop, périnée devant, périnée derrière, et j'avale ma sangle abdominale. Et je reste dans cette posture. Un certain temps, 10, 20, 30, 40, mais tranquille pour le début. Sur l'expiration, je redépose mes vertèbres, hop, consciencieusement, comme une chaîne de vélo qui se redépose, et j'allonge, jambe droite, jambe gauche, et j'étire mes bras derrière moi, je peux crocheter mes pouces, coller mes doigts ensemble, hop, et puis je reviens, les genoux sur le ventre. Ok, à nouveau. Je prends bien la conscience de toute la longueur de ma colonne vertébrale.
Ok, et puis on va juste déverrouiller un petit peu ce bassin. Vous allez dessiner une rotation. Vous allez prendre l'image que sous votre bas du dos et votre bassin, j'ai déposé une petite bouée de 30 cm de diamètre. Et vous, vous faites le tour et vous l'écrasez doucement. Hop, vous faites à peu près 6 cercles dans un sens et j'inverse la rotation. On peut même, si on veut, décrire cette même rotation avec sa tête, histoire d'assouplir un petit peu les muscles de son cou. Et puis, comme on a fait dans l'autre tuto, on va ouvrir. Et pareil, on déverrouille nos hanches. C'est parti. Hop. Avec une petite insistance sur l'ouverture. Lorsqu'on a les deux jambes ouvertes sur le côté, ça s'appelle à la seconde en danse. Hop. Et je change le sens. Je prends le temps. Voilà, très très bien. Hop. Et puis maintenant, juste, je vais ouvrir mes jambes comme si j'ouvrais un livre important. Hop, et je reviens. Et j'expire. Hop, et je reviens. Avec une petite résistance dans les genoux et une petite résistance dans les bras. Hein, comme si je faisais un petit bras de fer. Très bien. Et je reviens. Je vais récupérer mes genoux dans les mains. Et puis, je vais dessiner le long de ma colonne vertébrale. Une petite bascule comme ça. Hop. Hop. Ok. Observez que mes bras sont tendus, mes genoux sont loin de moi et mon nombril est creusé. Et je vais redéposer vertèbre après vertèbre. Et à nouveau, je m'étire. Ok, très bien. On va faire dessiner 8 rotations tout en étant extrêmement étiré. Voilà, très très bien. Et de l'autre côté. Faites bien vos rotations, bien régulières. Et puis, tu vas t'amuser à pianoter avec tes pieds en flex, demi-pointe, pointe, flex, demi-pointe, pointe, en articulant bien toutes les articulations de ton pied. Ok, super. Et repos. On va introduire un petit élément important, le ballon. Si vous avez déjà utiliser la technique Pilates ou suivi des cours de Pilates. Vous connaissez ce petit. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver mes mots, je suis désolée. Ustensible. Donc, on va mettre le ballon entre nos deux ménisques. Ménisque intérieur du genou. Rotule devant le genou. Bien. À nouveau, je soulève mon bassin pour être bien étiré et ma tête. Voilà. De manière à avoir ma colonne vertébrale bien posée. Ok, je serre ce ballon. C'est un ballon à peu près 25 cm à 30 cm de diamètre. Et mes pieds ne sont pas trop ouverts. Ok, juste pour moi, on va expirer. Je vais expirer, resserrer le périnée devant derrière. Je vais descendre le niveau de mon ventre. Et je vais presser doucement, hein, sans me faire péter les adducteurs. Comme si je gonflais lentement une pompe. Un pneu de vélo, une petite quarantaine de fois, donc on en a déjà fait 8. Et pendant tout cet exercice, je me concentre sur mon ventre, bien engagé et bien descendu vers ma colonne vertébrale. Allez, encore une petite vingtaine de fois, les bras sont ouverts, paume de main face au ciel par exemple. Descends bien tes épaules, regarde au-dessus de tes yeux, dégage les épaules, les oreilles. Et encore 10, 2, 3, on commence à sentir l'intérieur des cuisses. 6, 7, 8, 9, on va bien expirer. On reste avec ses genoux un peu serrés, ce ballon enserré. On descend le niveau du ventre. On descend la cage thoracique. On s'enfonce dans le sol. Et puis maintenant, on va faire 30 petites pulsations rapides. Pulsation, c'est plus rapide. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, repos. Tu reviens, tu resserres les tibias, tu prends le ballon, tu écrases le ballon sur tes tibias, tu dégages bien les épaules et là tu te plies dans une valise. On ferme les yeux, on relâche dans les hanches. On détend son bas du dos.
On donne de l'espace entre ses épaules et ses oreilles. Et on souffle. Voilà. On ne va pas répéter la série. C'est une série que vous pouvez faire 3 fois. D'accord? Très bien. On va récupérer ce ballon. On va le reposer à nouveau entre nos deux genoux. On va bien allonger son bas du dos. Et bien dégager la tête des épaules et du bassin. Et puis, tu vas faire le mouvement précédent, monter en pont. Observez, je ne suis pas cambrée. C'est une diagonale. J'ai le bassin bien monté. Je resserre mon périnée devant, derrière. J'aspire ma sangle abdominale. Mes épaules sont basses. Et mes pieds sont assez proches l'un de l'autre pour avoir vraiment bien ce ballon entre les genoux. Et pareil, sans variation de la taille et du bassin, je vais serrer ce ballon 30 ou 40 fois. C'est parti mon kiki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pendant tout l'exercice, j'essaie de tenir mon périnée et d'aspirer mon ventre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, on reste. Si on n'a pas de ballon, on peut éventuellement prendre un gros coussin ou un autre ballon, mais c'est quand même moins confort. Ok, je reste, je monte bien sous mon bassin. Puis on va faire 30 pulsations rapido, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne lâche pas mon bas du dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doucement, je redépose. Ok, je récupère le ballon, je pose pied droit, pied gauche. Je tends le ballon à quelqu'un derrière moi. Allez, je m'étire, même si mes épaules montent, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est prendre de la longueur dans mon corps. Allez, de me déplier. Et je reviens. À nouveau, juste 15 secondes comme ça, histoire de bien décontracter les muscles de mon bas du dos. C'est important de prendre des postures de récupération pour pas accumuler les tensions. Très très bien. Et puis, je vais positionner le ballon entre mes deux genoux. Ok, maintenant je vais me mettre en position chaise. Les genoux au-dessus des hanches. Ok, on peut faire cet exercice avec les mains sous le bas du dos. On peut faire cet exercice avec les mains comme ça, ou on peut faire cet exercice avec un coussin sous le bas du dos, au niveau de la partie inférieure. Bien. Ce qui m'importe, c'est de ne pas déployer mon ventre vers le plafond, au contraire, de le ramener vers ma colonne vertébrale. D'accord? Bien. Bras le long du corps, ou à la seconde, ou on pourra varier les plaisirs. Maintenant, je serre bien le ballon, et je vais dessiner une grande rotation, ou pas trop grande, au-dessus de mon bassin. Observez que mes fesses vont se décoller à droite et à gauche. Par contre, mes épaules et le haut de mon corps ne bougent pas. Ok? Donc, on va, tout en serrant un peu ce ballon, en contrôlant le périnée, en contrôlant le ventre, j'effectue, on va dire, une trentaine de cercles dans un sens. Voilà, très bien. Et on va dire que je change le sens et une trentaine de cercles dans l'autre sens. Tenez bien le ballon et tenez bien ce ventre. Hein. Engagez-le bien. Il doit être sous contrôle. Allez, on va dessiner des belles rotations. Si c'est possible, pointe de pied. Les bas de jambes forment un angle droit. Et allez chercher un peu plus loin hein, pour aller chercher un peu plus les muscles de la taille. Les obliques. Voilà, très bien. Ok, maintenant, on peut mettre les mains ici ou sous le bas du dos. On peut risquer une descente un tout petit peu, toujours sous contrôle. Ne pas lâcher les reins et de contrôler un maximum son ventre. Hein, bien serré, comme une natte de cheveux ou comme un filet de pêche qu'on resserre. Voilà. Si c'est trop douloureux, on met les mains sous le bas du dos. Plus lent.
Très bien. Encore un peu plus loin, si c'est possible. Et puis tu reviens, tu ramènes et tu écrases le ballon sur tes bas de jambes. Replié. Tu restes comme ça et tu souffles. Continue dans le renforcement musculaire de la sangle abdominale et des jambes. On va allonger les jambes à l'aplomb du bassin. C'est un exercice qu'on peut faire genou fléchis si c'est trop difficile. Jambes tendues, c'est mieux. Pieds flex, bien sûr. Ok? Bien. Main sous le bas du dos, main à la seconde, bras le long du corps ou pas, ou derrière la tête. Bien. Avant de commencer, je resserre mon périnée. Je descends le niveau de mon ventre vers mes vertèbres, comme si je voulais écraser mes vertèbres. Je vais tenir le ballon très serré entre mes pieds, hein, entre l'intérieur de mes deux pieds. Et on va, genou tendu, très tendu. D'accord? Ou pas. Celles qui peuvent, c'est très tendu. Je vais écraser ce ballon. Allez, une petite trentaine de fois ou 40 fois. C'est parti. Allez, on en a fait 5, 6. Pendant tout l'exercice, je contrôle ici. Vous allez voir, vous allez travailler l'intérieur des jambes et aussi les abdominaux. Voilà, on en a fait 20. Encore 20. 1, 2, 3. Essayez de d'allonger à fond vos jambes pour celles qui peuvent. De ramener bien les orteils. Et encore 10, 2, 3, descendez vos épaules, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relâchez. Ok, pour soulager mes reins, je vais mettre le ballon dans le creux de la taille. Le creux de la taille, c'est au-dessus des fesses. Ok, puis là, je fais un petit swing de droite à gauche. Hop, je me fais un petit automassage, vous allez voir, c'est très plaisant. L'exercice suivant, on va pouvoir le faire avec le ballon ou pas. On va prendre la version facile, on va dire qu'on va faire avec le ballon. Si on fait une version plus difficile, on enlève le ballon. Ou on met les mains sous le bas du dos en fonction de l'exercice. Donc, pour continuer, je descends un tout petit peu le ballon au niveau de mon sacrum. D'accord? Je vais tenir le ballon en bas, pas en haut, sinon je vais monter les épaules. Et puis je vais tendre mes deux jambes. Okay, d'abord, je m'amuse un petit peu à pianoter. Je peux avoir les genoux fléchis si c'est trop difficile. À pianoter pour un petit peu activer les pieds et du coup activer le retour veineux. Hein, parce qu'on a toujours les pieds en bas. Alors qu'en fait, il faudrait avoir le sang plutôt vers le haut du corps. C'est mal foutu cette histoire. Ok, et puis on va activer un petit peu un pédalo. Comme ça, hein, joli. Observez, je déploie tous les segments de mes jambes. Hop, et je pousse jusqu'à la pointe de mes orteils. Moi, j'aime bien travailler avec des images. Donc, on va prendre l'image d'être dans un bassin d'eau intense et on combat un peu cette eau. On voudrait l'activer. Hein, on voudrait qu'elle fasse des bulles, par exemple. Hop, donc on va déployer cette eau. Elle doit passer entre nos orteils aussi, partout. Et on va pousser. Ok, bon, ça c'est du pédalo tout simplement. Et on va loin de soi. Hein, pas un petit pédalo raccourci. On allonge. Plus on va allonger notre travail, plus on va allonger nos muscles. D'accord? On ne fait pas de gonflette là. On étire, on étire, on étire. Vous allez même penser que vos jambes partent de très loin. On va dire presque dessous la poitrine. Allez, je pousse. Je pousse et je transforme. Cette eau stagnante en jacuzzi. Puissance. Allez, 4, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4. On respire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux m'amuser. J'appelle ça la remontada. Pointe et flex pour remonter. Pédalo à l'envers. C'est beaucoup moins drôle. Mais si mon heureux, nous avons le ballon. Allez, on continue. Hop, hop. C'est un échauffement, c'est du cardio, donc ça nous change le rythme cardiaque. Et tout ce qui est changement de rythme cardiaque, c'est un manque de gras. Ok, je repasse. Allez, c'est parti. Et je souffle et je pousse avec mes jambes. 3, 4, 5, 6, 7,
Discontinuez de les pousser loin de vous, allez griffer le mur d'en face avec vos orteils. Et encore, encore plus loin. Voilà, on va dire qu'on en fait une petite centaine. Et puis, on se calme. On enlève le ballon doucement. Soit vous récupérez comme ça le ballon sur les genoux repliés, ou vous relâchez. Moi, j'aime bien le timer. Je mets généralement le chronomètre et je fais 3 ou 4 minutes comme ça, avec une variation des vitesses. Bien. On continue. On va bien échauffer l'arrière des jambes pour pouvoir continuer à faire des choses un peu plus costauds. Hop, on enlève ce matériel. Ok, donc, on va récupérer genou droit en main. Bien descendre la fesse droite. Allonger l'autre jambe. Et sur l'expiration, allonger mon bas de jambe. Regardez ce qui se passe. J'allonge mon bas de jambe et je ne pousse pas ma jambe par ici. Ok, si j'ai décidé que mon genou serait là, l'idée c'est d'aligner mon bas de jambe au niveau de mon genou. On va s'en faire une petite quinzaine. Voilà, très bien. J'expire, je descends mes épaules. Je nourris le mouvement de mon expiration. J'allonge bien l'autre jambe. Et au bout de 15 fois, je monte à mon mollet, derrière mon genou, à ma cheville, en fonction de ma souplesse. J'essaie de ne pas avoir les épaules comme ça, j'essaie de bien les descendre. Ok, sur l'expiration, je descends au niveau du nombril, je monte, je regarde devant moi. Ok, bien épaule basse. Et on va tirer une petite dizaine de fois cette jambe à soi. 1, 2, 3 pointes de pied, 4. 5 genoux tendus pour celles qui peuvent. Si on n'arrive pas à avoir le genou tendu, on peut faire l'exercice jambes pliées, c'est mieux. Pointe de pied et genoux tendus. Voilà, on termine. On en fait 20, on revient. De là, tu plies ta jambe, tu croises les mains sur ton genou, sur ta rotule, et tu pousses en avant, tu te laisses un petit peu entraîner, tu fais un dos rond, un petit automassage comme ça. Hop, hop. Une dernière fois, tu montes, tu tapes derrière tes ischions jambiers pour bien les échauffer. Tu pars de la fesse. Voilà, et tu relâches. Juste pour toi, compare un peu l'état des deux jambes. Tu verras, c'est très différent. Ok, on récupère la deuxième jambe. On allonge l'autre jambe. Pointe de pied pour tout le monde. Je suis bien dans ma lignée. On y va pour 20 fois. J'expire. 1. Le genou ne bouge pas. C'est le bas de jambe qui s'allonge. 2. Il se peut que si vous pointez les pieds, vous ayez des crampes dans les pieds. Dans ce cas-là, vous relâchez complètement. On continue. Dégagez vos épaules. Voilà, très bien. Allez, on continue. On va chercher un peu plus loin. Très bien. Encore. Hop. Et on va rester. On va rester, pareil, j'attrape ma jambe où je peux, je dégage mes épaules de mes oreilles, j'expire, je recule le nombril, je monte. Bien, la fesse bien dans le sol. On va tirer 20 fois la jambe à soi. J'ouvre mes coudes, 1, 2, pointez l'autre jambe, 3, 4, 5, la tête est libre, 6, 7, 8, 9, 10. Encore et 1. 2, 3, on va chercher un peu plus loin, 4, 5, 6, 7, on respire, 8, 9, 10, tu fléchis, croise les mains sur la rotule, pousse le genou, laisse tes épaules se décoller, laisse-toi entraîner par ta jambe, et fais juste un petit roulis comme ça, recule ton sternum, recule ton nombril, hop, reviens, redépose, allonge ta jambe, masse, tape l'arrière de ta jambe, tu verras, c'est très dur. N'hésite pas à taper aussi les fessiers. Tu relâches et si tu veux t'amuser, tu descends, on ralentit la jambe. Ok, en contrôlant le ventre, hop, 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 hop. Ok, super magnifique. Allez, on s'étire comme si on baillait. Oh, tout ça doit faire du bien.
Et puis, je bois. Bien, on va faire un exercice sur le côté. On va prendre l'oreiller, histoire de ne pas se faire mal. On va utiliser... utilisons ça. Vous allez prendre un élastique à poignet. Ça se trouve chez Decathlon, chez Sveltus, maintenant dans beaucoup de magasins, des fois même au Monoprix. On va sur le 3 et le 6. On va prendre deux espaces entre ses pieds. Okay. Donc là, on va s'attaquer à l'extérieur de la cuisse. Ok. On va se mettre les pieds, jambes tendues, toujours un tout petit peu devant le bassin. Et puis, on va tendre à fond la jambe supérieure, pied flex, et ouvrir un maximum la longueur de l'élastique. Maintenant, mon regard est vraiment face, je suis très alignée. Je resserre le périnée, j'aspire ma sangle abdominale, bras ici, au niveau du sternum. Et on va juste avoir l'idée d'ouvrir un peu plus vers l'extérieur, pied flex. Allez, on va s'en faire une petite quarantaine. 3, 4, 5, 6, 7, vous allez sentir tout de suite où vous travaillez, encore, et dans les fessiers aussi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respirez bien, et encore 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, repos. Tu viens récupérer le ballon et tu vas prendre le ballon entre tes deux chevilles, deux balles à l'intérieur, tu gardes l'élastique. Ok, maintenant, on va soulever le ballon, garder nos pieds flex, bien nous étirer et on va relever les jambes un petit peu plus. Et là, tu vas du coup travailler tes obliques. Si tu tiens l'équilibre avec la main sur la cuisse, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est pas bien grave. Encore. 2. Tiens ton ventre et étire-toi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu relâches doucement. On va rajouter au passage ce petit exercice pour les adducteurs. Les genoux au même niveau des hanches. Bien relâché. Le buste bien relâché, bien droit, angle droit. Et on va juste écraser les deux genoux l'un contre l'autre. Vous allez travailler vos adducteurs, l'intérieur des cuisses. Au même moment, tu vas resserrer ton ventre et ton périnée. Allez, encore 10, 2, 3, 4, 5. Pareil, la tête bien alignée et confort. 9, 10, allez, encore 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repos. Tu relâches. On va faire tout du même côté. On se fait juste un petit passage comme ça. Ça, ce sont des séries que vous pouvez faire 2-3 fois. Ne faites pas plus qu'il le faut. Ce n'est pas la peine d'avoir des courbatures ou des contractions musculaires. Ok, on pousse bien les fesses en arrière. Tu relâches le buste en avant. Tu lâches bien ta tête, bien tes épaules et tu souffles. Et tu déroules lentement. Ok ? On récupère son ballon qu'on utilisera tout à l'heure. On se positionne sur sa tranche, pied flex, jambe hyper tendue, la jambe supérieure en l'air et l'autre bien dans le sol. Ok, je resserre le périnée, j'étire ma taille et on y va pour 40, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On respire bien, étirez la nuque, dégagez vos épaules. 6, 7, 8, comme c'est lent, pensez à votre placement. Essayez de ressentir où se situe le travail. Et même de le penser. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Repos. Ok, tu récupères ton ballon. Tu vas poser le ballon entre les deux malléoles internes. Pied flex. Tu serres le ballon. Jambes tendues. Et on va monter. 1, 2, 3. Bien resserré ici. Vous pouvez toucher la taille. Normalement, c'est 13 au travail. Ça veut dire dur. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, un petit peu plus haut si c'est possible. 1, continue à t'étirer. 3, 4, 5. Vous allez voir, vous allez bien travailler ici. 8, 9, 10. Tu relâches. Tu reviens. Tu te positionnes à angle droit. Ok, tu ne te ratatines pas. Bien droit, tu regardes vraiment en face de toi. Et on va presser le ballon 30 fois. On ne me rappelle plus exactement. Essayez d'être égal des deux côtés. 3, 4. La taille est bien haute. Pas avachie au sol. Hein, vraiment concentré vers la colonne vertébrale. Resserré. Hein, vraiment prenez l'image d'une natte qu'on voudrait resserrer. 9, 10 et encore 10. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, repos. Très bien. Je regarde l'heure parce que je crois qu'on est déjà dans les temps. Non, on a encore 5 à 10 minutes, c'est-à-dire la vie devant nous. Bien. On continue. Donc le sujet aujourd'hui, hein, c'est sangle abdominale, cuisse, fessier. Donc on reste là-dedans. Bien, je me prends mon petit coussin tranquille. Moi, j'aime bien ne pas avoir mal. J'ouvre mes bras à la seconde. Je vais mettre mes pieds, mes genoux au-dessus de mes hanches. Hein? C'est un exercice que je fais, jambes fléchies, j'en profite. Ok, je vais essayer d'ouvrir au maximum mon élastique. Hein, vraiment très tendu. J'ai toujours mes deux espaces entre les pieds. Je descends dans le sol. Je tiens bien mon ventre. Et on va s'amuser à ouvrir, allez, une petite quarantaine de fois. 4, 5, 6, les épaules sont tranquilles. 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posez bien la tête, relâchez vos épaules. Et encore 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais rester tranquille. Et on va rajouter, pour aller un petit peu plus loin, 20 ou 30 petites pulsations rapido. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repos. Ouf, ça chauffe. On relâche. On souffle. On va attraper le creux des genoux. Récupérez bien. Soufflez. Vous allez sentir un petit peu vos fesses de main. Si lors des exercices, vous sentez que c'est trop difficile, trop douloureux, on peut tout à fait réduire le nombre de fois. Bien, on va récupérer sa jambe droite en main et surélever la gauche. Ok ? On va expirer et on va soulever la tête. Ou pas. C'est un exercice qu'on peut faire aussi comme ça. Bien, et puis on va attraper sa jambe bien tendue. Et on va faire avec deux petits rebonds. 1, 2, contrôle du ventre. 3, 4 et 5. 6, descendez les épaules, ouvrez les coudes. 8, et encore 1. 2, pousse avec ta jambe. Pousse avec la jambe qui monte. Et pousse avec la jambe qui descend. Et on passe en direct. Et là, je peux passer avec la tête au sol. 5, 6 et respire. 8, encore et 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 1, allez on descend, 3, 4, 5, le ventre toujours bien enfoncé dans le sol, 7, 8, 9, 10, repos, hop, magnifique, ok, de là tu te poses, et puis tu moulines ton bassin. Tranquille, tu récupères un souffle normal. Ouh.
tu changes le sens. Voilà, très bien. Et tu ouvres tes deux genoux. Normalement, ça devrait être beaucoup plus facile qu'au début du cours. Hop. Relâche bien dans les hanches. Inverse la rotation. Hop. Hop. Voilà, très bien. Et encore une fois. Et ouvre. Et hop. Et hop. Et hop. Ok, puis tu reviens, tu vas faire un petit rocking chair, on va pousser les fesses sur les talons, on va aller relâcher le buste en avant, genou fléchi, toujours entendu, au choix, et je reste. Relâche tes épaules, laisse tomber tes épaules dans les coudes dans les poignets. On va dérouler doucement. On va se positionner en tailleur comme ça ou en tailleur comme ça. Je vais même mettre la jambe en dessous. Ok. Bien. Essayez d'avoir les ischions, la pointe des fesses bien dans le sol. La colonne qui jaillit, les épaules bien basses et de bien tenir le ventre. Ok, on va terminer un petit peu comme ça. Juste pour vous, vous fermez les yeux, vous vous étirez sur le côté. Hop, c'est pas grave si les épaules montent. On va étirer un petit peu droite et gauche. Et droite et gauche. Et puis tu vas faire une inclinaison latérale sans décoller ton bassin. Hein, comme un grand éventail que tu ouvres. Sans ratatiner l'autre côté. Et tu reviens. Et on inspire. Baisse bien ton épaule. Va chercher sur le côté, pas en arrière. Étire. Ne décolle pas ta fesse. Allonge l'autre côté. Même si ça fait du mal, ça fait du bien. Encore droite-gauche. Hop. Voilà. Dernière fois de l'autre côté. Voilà. Tu reviens en niveau juste les deux jambes à la seconde un peu pour voir ce qui se passe. Sans trop forcer. Voilà, vous massez l'intérieur des adducteurs, tout le trajet des jambes. Et on va juste en gardant l'axe des genoux au plafond, voir un peu ce qui se passe en avant. On reste tranquille. Vérifiez que vos pieds soient sur le même plan. Plutôt d'avoir le réflexe de reculer comme ça le dos en arrière, pensez je vais basculer mon bassin, voire mon pubis vers le sol et je vais garder l'axe de mes genoux au plafond. Et je reste. Je reste un certain temps, on ne va pas rester trop longtemps parce que j'ai dit que je faisais une petite vidéo courte. Okay. Et puis je ramène mes jambes par en dessous comme une cuillère. Et je vais à nouveau repasser comme dans l'autre cours, accroupi et je transfère le poids de mon corps sur toute la surface. Hop. Hop. Si j'arrive pas à poser mes talons dans le sol, c'est pas grave. Et puis je vais monter mes fesses, jambes tendues, genoux fléchis, bien lâcher ma tête, faire des petites rotations. Et de l'autre côté, laisser tomber mes épaules dans mes coudes dans mes poignets. Et je vais repositionner mes vertèbres sans tracter mes épaules. Voilà. J'aurai peut-être la tête qui tourne. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un petit travail sur la sangle abdominale, les jambes et les fessiers. Je vous remercie. Bon confinement. J'étais Myra Justine.